Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode Hack the World. On part sur un nouveau format où on va tester des applications et des dApps régulièrement toutes les semaines ensemble. Aujourd'hui, je commence avec une première, un premier produit que je trouve super intéressant. Donc ça s'appelle D-Work. Ça devrait parler à beaucoup d'entre vous, pour ceux qui connaissent Trello dans le management de projet, donc un système de Kanban avec des cards. Pour travailler en équipe où on définit des cards et puis on va pouvoir les passer dans différents statuts, assigner des gens, etc. à des tâches et puis suivre en fait l'intégralité d'un projet avec un workflow pratique pour tout le monde, pour suivre une grosse équipe, un gros projet avec ses différentes tâches. Donc aujourd'hui je vais vous présenter D-Work qui est un projet relativement jeune mais sur lequel j'ai un gros coup de cœur personnel. Donc pour la petite histoire, il est développé par un jeune qui s'appelle Lonis. Lonis, développeur un peu solo et qui fait ça dans son coin, mais qui vient de construire un truc potentiellement génial. Donc pour la petite histoire, il a l'air d'avoir commencé il y a 2 mois à travailler sur ce projet, donc je vous encourage à le suivre. À mon avis, c'est intéressant. Alors qu'est-ce que c'est D-Work ? Donc comme je vous disais, c'est un Trello-like tout simplement, sauf qu'il est construit pour répondre aux besoins des DAO, donc organisation autonome décentralisée. Le produit est vraiment très bien pensé, je le trouve. Je vais vous faire une petite démo, on va faire le tour ensemble et je vous dis ce que j'en pense. Alors là on se retrouve sur un board comme on peut avoir sur Trello. Donc en gros, pour faire simple, quand on arrive sur D-Work, on va créer son profil, on peut créer plusieurs organisations. Et puis au sein d'une organisation, comme vous pouvez le voir là, je suis dans l'organisation Samurai World et j'ai créé le projet Kino Challenge, qui du coup est un projet qu'on va préparer avec Samurai World, restez connectés. Le principe en fait de ce board là, c'est qu'il est associé à un projet. Je peux décider que ce projet est public ou non. Là en l'occurrence je l'ai gardé en privé pour le moment. Je vais avoir les systèmes d'intégration, de paiement, etc. On va voir ensemble déjà comment ça fonctionne avant de rentrer dans les détails. Tout simplement je peux créer une carte. Donc ici j'ai créé une carte de démo. La mission consiste à créer tout simplement une update du site Samurai World où j'ai besoin de présenter le concept du Kino Challenge. Donc je crée ma carte, je vais pouvoir entrer une description où je décris ici tout simplement de quoi on a besoin, quelle est la mission. Et puis je vais pouvoir créer des sous-tâches. Ce qui est intéressant dans le système de sous-tâches, c'est que je vais pouvoir associer des personnes à des missions, donc potentiellement qu'il y ait plusieurs personnes associées. Et en fait là où c'est intéressant, c'est qu'il a vraiment bien pensé son truc pour deux raisons à mon sens en tout cas. Donc déjà la classification de la tâche est vraiment pratique, etc. Mais là où on va être vraiment sur quelque chose de révolutionnaire pour les DAO, c'est le management en fait de ces missions là qui sont faites potentiellement par des inconnus, des anonymes, etc. et qui se mettent au service d'un projet pour y répondre, pour gagner de l'argent ou pour juste répondre aux besoins de la communauté globalement et faire avancer le projet. Ici on va pouvoir en fait associer à ce projet, enfin à cette mission pardon, à cette carte, on va pouvoir lui associer un montant qui sera issu d'un multisig, donc d'un wallet de la DAO qui correspond donc au budget de la communauté pour développer ce projet là. Donc on va pouvoir dire, pour cette carte développer le site, la page du site Kino Challenge, j'associe 0,2 Ether par exemple, ou d'autres tokens, puisque Lonis a déjà travaillé plusieurs blockchains, plusieurs cryptos, et qu'on va globalement même pouvoir utiliser le token de la DAO évidemment. Donc en fait, le processus se déroule en plusieurs étapes, mais une fois que je crée ma card, là ici on est sur un repo privé, enfin sur une organisation privée, donc globalement il n'y a que mon équipe qui va le voir, mais on aurait pu passer cette card en une catégorie qui est ouverte au public, donc là c'est vraiment Community Bounties, où moi Zuma qui fait partie de plusieurs organisations, je peux voir tous les bounties en cours, toutes les missions qui sont ouvertes où il y a besoin d'aide sur des choses.
Je vais voir cette carte passer, je vais me dire, tiens, bah là, il y a ces compétences-là, ça rentre dans mes skills à moi. Je vois qu'il y a un montant, donc là, j'en ai pas mis, mais techniquement, il peut y avoir marqué 0,2 Ether pour cette mission-là. Je vais postuler à cette mission. Et bah là, du côté core team, donc c'est-à-dire là, si je fais partie de la DAO, je vois que un tel a postulé, je vais pouvoir l'associer à cette carte, la signer parce que je vois que son GitHub est fourni et que j'ai confiance en cette personne pour réaliser la mission, donc je vais la signer. La mission va donc pouvoir passer, enfin la carte va pouvoir passer en in progress. Une fois qu'elle est en in progress, ce qui est intéressant, c'est que en fait, je vais pouvoir à la fois avoir un système de review qui est clean. Donc typiquement sur ce que je vais vous montrer là, je vais passer sur l'autre démo. Je vais pouvoir review la carte, le projet de cette personne-là avec plusieurs personnes qui review issues de la core team. Et puis bah tant que c'est pas review, que c'est pas mergé, ça reste en review. Une fois que ça passe en merge, que c'est bien confirmé, là on va avoir en fait un processus qui est vraiment intéressant, c'est que bah, du coup l'automatisation du paiement à partir du multisig de la DAO est directement intégrée. C'est vraiment super cool parce qu'en termes de management, quand il y a beaucoup de missions sur un projet, c'est très compliqué d'avoir une traçabilité de tout ce qui est en cours et bah, d'assurer les paiements dans les temps, etc. Ici on voit qu'en gros bah, on va pouvoir être à la fois multi-token, être très clair dans l'organisation et le workflow d'un gros projet, et puis bah, en fait même pour la communauté de pouvoir suivre tout ça, comment c'est développé, qu'est-ce qui coûte quoi, etc. C'est une nouvelle manière de voir l'information qui n'était pas encore répondue par des produits comme Snapchat, etc. Donc je trouve ça super intéressant. J'ai un gros coup de cœur aussi sur des petites intégrations qu'il a prévues. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a la création de la task de A à Z avec les assignés, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des intégrations de bonus en termes de communication. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une intégration Discord où, en fait, à la génération d'une première carte communautaire, on va avoir la possibilité d'automatiser directement, je vais vous montrer ça, la création d'un channel avec la personne qui a assigné à cette carte. Donc la core team va pouvoir automatiquement créer un channel privé sur son Discord avec la personne qui s'occupe de cette carte là et les membres de la core team, ceux qui vont review cette carte là. Et donc on a toute l'interface à la fois depuis la prise de la carte jusqu'à la communication pendant le process jusqu'au paiement. Tout ça de façon plutôt très très clean. Donc voilà, ça fait partie de l'expérience utilisateur que je trouve vraiment super intéressante. Et puis on va avoir rapidement un effet qui pourrait se créer avec ce service là, c'est qu'en fait d'un point de vue un peu macro, bah en fait tout va être public, tout ce qu'on fait en tant que contributeur est additionné sur son profil. Donc finalement, on peut imaginer que ça devient un petit peu un LinkedIn décentralisé et anonyme, mais où on peut voir bah, tout simplement toutes les contributions de quelqu'un et se dire cette personne-là a fait du super taf sur tel et tel projet, c'est de l'open source, on a le GitHub directement, et donc on peut avoir des trust levels beaucoup plus importants que si la personne est uniquement anon, sans info et sans preuve de ce qu'elle a fait par le passé. Donc on peut se retrouver dans quelques mois avec beaucoup de missions pour des développeurs, des designers, des contributeurs, etc. Qui sont visibles sur D-Work puisque bah, les communautés pourraient le prendre en main progressivement de plus en plus régulièrement. Pour finir, bah, tout simplement, je vais passer à la notation. Pour moi, D-Work.xyz est un projet absolument à suivre. Je trouve ça vraiment super intéressant et j'aurais rêvé d'avoir eu le temps et le talent de développer ça aussi rapidement. Bon, il a que 2 mois dans les pattes, donc en termes de maturité, il n'est pas encore au maximum. On va devoir faire attention à pas mal de choses en sécurité, notamment parce qu'il y a des intégrations GitHub et des intégrations avec des wallets multisig comme Gnosis. Gnosis, c'est une référence et c'est super safe
je pense que c'est même le wallet le plus sécurisé pour une DAO actuellement, en multisig. Donc c'est super qu'il soit basé dessus. Après, on gardera un peu de précaution dans la mesure où le projet a que 2 mois, mais vraiment il y a de très bonnes fondations. En termes de UX, je mets un gros 9 sur 10 parce que on est vraiment sur un truc où on n'est pas perdu, dans la mesure où c'est un Trello-like absolument de bout en bout. Et bah, pour ceux qui sont du monde Web3, toutes les connexions avec les fonctionnalités un peu plus poussées sont vraiment intuitives. Ça reste très simple, ça reste efficace, ça fait pas de bullshit dans l'expérience et c'est vraiment pratique. Du côté fonctionnalité, bah, franchement, hein, pour 2 mois de taf, moi je trouve que c'est du génie. Il a pensé vraiment, on sent que le gars a bossé et contribué sur des projets Web3. Il y a tout ce qu'on a besoin actuellement en termes de fonctionnalité et de communication, de paiement et de définition des tâches. Donc super tool. En termes de fonctionnalité, il y en aura sûrement d'autres qui vont être dans les prochains mois. Mais pour moi, c'est déjà un gros 8 sur 10. Et puis la mention must have, savoir que cette mention là c'est évaluer est-ce que c'est quelque chose dont on a absolument à 100% besoin. Et ben moi je mets un 8 sur 10 parce que bah, si vous êtes dans dans des projets Web3, que vous êtes dans les DAO, dans les communautés, c'est peut-être encore tôt parce que les DAO c'est pas encore répandu ou ça parle pas forcément en termes de management à tout le monde ce genre d'outil, mais je pense que ça va être un must-have très rapidement pour n'importe quelle organisation et communauté pour faire les choses de manière bien transparente, de façon claire et de façon aussi facile où on gagne du temps. Donc voilà, dwork.xyz, c'est un gros 8 sur 5 sur 10 pour moi et un projet à surveiller. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Au plaisir d'en discuter. Ciao.